Ati, chef-lieu de la province du Bata, a constitué ce lundi 17 septembre 2018 la première sortie du président de la République Idriss Déby-Itno dans le Tchad profond après la promulgation de la loi fondamentale instituant la 4e République. Le chef de l'État Idriss Déby-Itno est accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la province du Bata, Aliou Adam Abdoulaye. Il avait à ses côtés, pour la circonstance, le Komzone adjoint général Ibrahim Irik et le maire de la ville d'Ati, Madame Adama Mahamat. Après avoir lâché deux colombes symbolisant la paix, le président de la République, Idriss Déby-Itno, a serré la main de tous les chefs traditionnels, délégués régionaux, chefs de service, cadres de la région, ainsi que militants du MPS et ceux du parti alliés ayant fait le déplacement de l'aérodrome d'Ati. L'agenda du président de la République, Idriss Déby-Itno, dans le chef-lieu de la province du Bata, prévoit des rencontres avec les autorités administratives, chefs militaires, sultans et chefs de canton. Au cours de ces différentes rencontres, le président de la République, Idriss Déby-Itno, mettra un accent particulier sur la cohabitation pacifique, l'immigration des jeunes, la protection de l'environnement et le retour au travail de la terre. Thank you.